Petit conseil pour les filles parmi vous. Y a comme un genre de code à respecter dans les galas versus vos intentions. C'est pas clair pour moi, mais j'ai demandé à une experte en la matière de vous expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, de l'émission Like Moi, regardons Mme Gaby Gravel. Maquilleuse à la pharmacie de la Prairie et coach de vie. Ce soir, je fais un maquillage nighttime pour les oliviers. Showbiz! Alors, pour les oliviers, la femme voudra un maquillage qui dit coquettitude, qui dit raffinosité, qui dit « Hey, c'est pas les Gémeaux, mais je me suis forcée pareil, bâton! » Alors, je suis avec la belle Stéphanie, qui est une amie très chère, mais qui est aussi une coach de Zumba part-time au chômage, qui veut scorer avec un comique. Dream big, girlfriend! Alors, contente d'être aux oliviers, Stéphanie? Oui, je suis contente. Pas de suite. Qu'est-ce que Stéphanie veut dire? C'est que les oliviers, c'est une soirée magique pour toutes les filles qui rêvent de se faire pogner une boule par un finissant de l'école de l'humour ou de fourrer un panéliste d'atomes crochus. C'est selon le maquillage de conseil, 20 minutes! Yep! Une fucking de nobody passe proche de ma teintement sur le tapis rouge, ça se peut qu'on voit ton coude dans Ecovedette. Yeah! Parle-moi de qu'est-ce que tu veux comme make-up. Ben, j'aimerais ça. Wesh, non! Tu veux du rouge, du bleu pis du mauve. C'est pourquoi j'utilise le eyeshadow de marque Venetian Surprise, en français surprise vénérienne. Conseil, bout de minute! Yaridiac! Les humoristes aiment les filles qui ont l'air méga cochonne. Tu veux les lèvres d'une fille allergique aux peanuts qui vient de se clasher une Henry. Alors, je viens travailler le contour des lèvres en subtilité pour créer l'illusion que tu t'es pogné la face dans un filtreur de piscine. Avec ça, tu vas rencontrer plein d'humoristes attentionnés, romantiques, qui sont occasionnellement célibataires ou mariés à temps partiel. Alors, j'applique maintenant la forme des cheveux. Ça, attention de ne pas en mettre trop, parce que tu vas avoir l'air d'un étron avec des boucles d'oreilles à la TV. Et je vais maintenant compléter ton look pour le gala des oliviers en ajoutant beaucoup de spray net. OK? Yes! Silencio! Fantastique! Stéphanie était une cochonne en manque, pas de make-up. Elle est maintenant une cochonne en manque avec du make-up. Une autre transformation qui fera crier tout le Québec. We love you, Gaby Gravel! Mesdames, messieurs, pour la première fois live à la télé, en chair et en gloss, Gaby Gravel! T'es en beauté ce soir, Gaby. Wow, merci! Se faire croiser par François Morancy, c'est tout un thrill pour ma mère il y a 20 ans. C'était une joke, ma mère est morte. Alors, changeons de sujet. Merci d'être là avec nous ce soir, Gaby, très apprécié. Je suis tellement contente. Pour moi, c'est l'occasion de côtoyer les plus grands humoristes d'aujourd'hui, mais aussi tous les has-been de demain. Merci, la vie! Fait que c'est comme un peu ton rêve d'être ici ce soir. Non. Moi, mon rêve, c'était d'animer la météo à Salut Bonjour. Mais comme j'ai pas la motricité fine qu'il faut pour tenir un micro avec des mitaines, me v'là! Yakiriak! Ben, on est content que tu sois là, Gaby. Je vais pas faire l'amour avec toi, François. Give it up! Alors, sur cette déception, passons aux nominations, Gaby. Oui, c'est important de rappeler aux nommés que ce soir, il va y avoir un seul gagnant. Il n'y a pas de jugement. Si tu perds, oui, ça fait loser, puis oui, on va dire ton nom à TV.
C'est un pensez-y bien. Ce que Gabi veut dire, c'est qu'une nomination en soi est un honneur. C'est ce que... Pas pantoute. Voilà. Si t'es pas prête à faire ce qu'il faut pour gagner, reste chez vous. Si mon cours de cosmétique m'a appris quelque chose, c'est que quelquefois, la seule façon d'atteindre ton but, c'est de tenir la tête de ta rivale dans l'eau après un shampoing. C'est de même t'avances dans la vie. Winner! Ben, beau message de paix, donc dans la catégorie spéciale humoristique à la télé. C'est go! Bye Bye 2015. Je viens faire le bye bye avec vous autres. Je remplace Joël. Joël? Il est où donc lui? Il est peut-être juste allé faire un petit pipi. Oh non! Joël s'est fait manger dans le parc. Canal DD. Si tu fais là, toi? Quoi ça? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? C'est toi qui me l'as dit avant de rentrer. Sors ta sarbacane dans toutes tes aisselles puis shoot-les toutes en rentrant. J'ai dit chante sarbacane de Francis Cabrel puis tout le monde va être content. Hey boy! Infoman 2015. Hey Chantal, tu portes la robe de Sophie Grégoire dans le Vogue, toi? T'as remarqué? Refaisons la photo du Vogue, Jean-René. Oui. Je t'aime, mon co-animateur. Je t'aime, toi et le Canada. Oh. Essaye de pas te regarder pour pas rire. Namasté. Meilleur avant le 31, bon pareil le premier. Like, je veux des likes, j'en vois un docteur pour qu'il me coupe un bras, puis qu'il me greffe un selfie stick pour un like, je suis pétard. Et celui qui est sa feuille? Oh non! C'est parce que, avec les ongles... Infoman 2015! Les humoristes aiment les filles qui ont l'air méga cochonne. Tu veux les lèvres d'une fille allergique aux peanuts qui vient de se clasher dans Renry. Alors, je viens travailler le contour des lèvres en subtilité pour créer l'illusion que tu t'es pogné la face dans un filtreur de piscine. Avec ça, tu vas rencontrer plein d'humoristes attentionnés, romantiques, qui sont occasionnellement célibataires ou mariés à temps partiel. Alors, j'applique maintenant la forme des cheveux. Ça, attention de ne pas en mettre trop, parce que tu vas avoir l'air d'un étron avec des boucles d'oreilles à la TV. Et je vais maintenant compléter ton look pour le gala des Oliviers en ajoutant beaucoup de spray net. OK? Yes! Silencio! Fantastique! Stéphanie était une cochonne en manque, pas de make-up. Elle est maintenant une cochonne en manque avec du make-up. Une autre transformation qui fera crier tout le Québec. We love you, Gabby Gravel! Mesdames, messieurs, pour la première fois live à la télé, en chair et en gloss, Gabi Gravel! T'es en beauté ce soir, Gabi. Wow, merci! Se faire croiser par François Morancy, c'est tout un thrill pour ma mère il y a 20 ans. C'est une joke, ma mère est morte! Alors, changeons de sujet. Merci d'être là avec nous ce soir, Gabi, très apprécié. Je suis tellement contente. Pour moi, c'est l'occasion de côtoyer les plus grands humoristes d'aujourd'hui, mais aussi tous les has-been de demain. Merci, la vie!
Fait que c'est comme un peu ton rêve d'être ici ce soir. Non. Moi, mon rêve, c'était d'animer la météo à Salut Bonjour. Mais comme j'ai pas la motricité fine qu'il faut pour tenir un micro avec des mitaines, me v'là! Yakiliak! Ben, on est content que tu sois là, Gabi. Je vais pas faire l'amour avec toi, François. Give it up. Alors, sur cette déception... ...qui sont occasionnellement célibataires ou mariés à temps partiel. Alors, j'applique maintenant la forme des chats. Ça, attention de pas en mettre trop, parce que tu vas avoir l'air d'un étron avec des boucles d'oreilles à la TV. Et je vais maintenant compléter ton look pour le gala des Oliviers en ajoutant beaucoup de spray net. OK? Yes! Silencio! Fantastique! Stéphanie était une cochonne en manque, pas de make-up. Elle est maintenant une cochonne en manque avec du make-up. Une autre transformation qui fera crier tout le Québec. We love you, Gabby Greville! Mesdames, messieurs, pour la première fois live à la télé, en chair et en gloss, Gabby Greville! T'es en beauté ce soir, Gabby. Wow, merci! Se faire croiser par François Morancy, c'est tout un thrill pour ma mère il y a 20 ans. C'était une joke, ma mère est morte. Alors, changeons de sujet. Merci d'être là avec nous ce soir, Gabby, très apprécié. Je suis tellement contente. Pour moi, c'est l'occasion de côtoyer les plus grands humoristes d'aujourd'hui, mais aussi tous les has-beens de demain. Merci, la vie! Fait que c'est comme un peu ton rêve d'être ici ce soir. Non. Moi, mon rêve, c'était d'animer la météo à Salut Bonjour. Mais comme j'ai pas la motricité fine qu'il faut pour tenir un micro avec des mitaines, me v'là! Yakiliak! Ben, on est content que tu sois là, Gabby. Je vais pas faire l'amour avec toi, François. Give it up. Alors, sur cette déception, passons aux nominations, Gabby. Oui, c'est important de rappeler aux nommés que ce soir, il va y avoir un seul gagnant. Il n'y a pas de jugement. Si tu perds, oui, ça fait loser, puis oui, on va dire ton nom à TV. C'est à penser du bien.